Madame t'as pas de revolver. Et quand je me déplace, il me prend la sécu comme si j'étais le maire. Les problèmes j'ai additionné, je me suis fait perquisitionner. Bon mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée si j'ai pas beaucoup snappé. Là il y a Mani qui est à côté de moi, il est en train de dormir. Je voulais prendre le temps un petit peu de retrouver. Qu'est-ce que je vous disais? Je voulais prendre le temps un petit peu de retrouver ma maman, de retrouver ma famille, de retrouver tout le monde. Ça, c'est un peignoir d'hiver. Je vous dis la vérité, j'ai trop froid. Déjà, à Dubaï, ça faisait peut-être 2 jours. Le soir, j'avais froid. Et moi, de base, je suis trop une frileuse. Du coup, j'ai acheté plein d'affaires d'hiver. J'ai acheté plein d'affaires d'hiver aussi à Mani. Alors, quand je vous disais que mon voyage, il s'est trop mal passé... malgré le fait qu'on était en business et tout, Mani n'a absolument pas dormi, mais vraiment du tout. Il y avait plein d'enfants à côté de nous, et en fait, quand il y a des enfants avec d'autres enfants, Mani il veut genre interagir, il veut jouer, etc. Sauf que il a pas l'âge et il arrive pas à se faire entendre, il arrive pas à se faire comprendre. Et il y avait une petite fille, une blonde. Elle arrêtait pas, elle devait avoir peut-être 2 ans. Et à chaque fois que Mani, genre j'arrivais à le distraire, sinon qu'il voulait se retourner, qu'il voulait aller la voir. Je me suis dit, oh, oui. Ça y commence déjà. Mais pendant 6 heures avec l'avion plein, c'était pas évident parce que franchement, habituellement, le voyage il se passe trop bien. Genre. Il n'est pas genre spécialement dérangé par les autres ou voilà, il regarde les autres personnes mais il s'en fout, il dort et tout. Et genre j'avais déjà voyagé 2 fois avant, ça s'était trop bien passé. Mais là, en plus le pire c'est qu'à la base moi j'étais assise à une autre place. Et en fait il y a une femme qui avait une place genre à côté de moi qui m'a dit oui ça vous dérange pas d'échanger là-bas avec mon mari. Comme ça, je suis à côté. Moi, je dis, pas de problème. Genre, je suis qu'avec mon fils. Je comprends, demain, on a envie d'être à côté de son mari et tout. Et quand je dis, ok, y a pas de problème, je vois plein de gosses. Et là, à ce moment-là, je savais. Je vous dis la vérité, hein, les filles. Et pourtant, je suis maman que depuis pas longtemps et tout. J'ai pas genre 20 ans ou 5 ans d'expérience. Hein. Mais... dès que j'ai vu les gosses, j'ai dit, ça y est, j'ai compris. Au bout de même pas une minute, j'ai compris. Parce que la petite fille, elle était déjà en train d'essayer d'appeler Mani. Mani, il était comme un fou. Genre, il était trop content que genre, il y ait des enfants et tout. Donc voilà, résultat, il n'a pas du tout dormi pendant 6 heures. Et je peux vous garantir que même si 6 heures, c'est pas 12 heures ou 15 heures, 6 heures dans un avion... où il y avait beaucoup de turbulences, où du coup, j'étais obligée de le mettre sur moi quand il y a des turbulences, parce que il faut qu'il soit attaché et qu'il faut qu'il soit sur moi parce qu'il a moins de 2 ans. Donc, très compliqué d'expliquer à un bébé. T'es en train de faire ta sieste, t'as pas voulu dormir dans l'avion. Hein? Et maman, elle raconte sa vie, maman la mission. bref, voilà. Et du coup, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, parce que j'ai retrouvé ma famille, comme je vous disais. Donc, je voulais pas snapper direct et tout. Et puis, franchement, j'étais éclatée. Ma peau, c'est toujours la galère. Voilà, ma peau, c'est toujours la galère. Franchement, je croise les doigts pour que d'ici... En fait, j'ai même plus envie de me dire, dans 2 jours ou dans... J'espère juste que ça va aller mieux. En fait, là, je mets un masque pour sécher les boutons. Le problème, c'est qu'au lieu d'en mettre genre point par point, en fait, ça sèche tout le reste du visage. Mais franchement, j'ai espoir. Pour dans peu de temps, j'ai une très belle peau. Inch'Allah. Et vous, mes bébés, vous avez fait quoi aujourd'hui? On dirait pas j'ai un manteau.
Alors, c'est ma sœur qui a décoré ce magnifique sapin. Franchement, elle a trop bien décoré. Il est super joli, les filles. Trop beau. Bon, les filles, c'est pas parce que c'est les fêtes que je vais manger n'importe quoi. Du coup, j'avoue, j'ai mangé des chocolats et tout, mais bon, ça va. Mais là, du coup, petit marron, je sais pas comment on dit, petit rond, petit. Je sais pas avec ce que je raconte. Et vous. Ouais, ok, et butternut, ça veut dire quoi en français? Mais pas du tout, ça veut dire petit rond, je crois. Non, pas du tout, c'est une autre variété. Mais n'importe quoi, butternut, c'est anglais. Bah, ça s'appelle quoi, quand même? Ben, granny aussi, c'est anglais. Hein. Voilà. C'est, ça, c'est quand on devient vieux, c'est... Non, c'est ma variété, non, c'est... Non, mais là, ma mère, elle est partie regarder sur Google. Donc, c'est quoi, un petit rond? Mais non, c'est une courge, butternut, on te dit. Ah non. Ah non, c'est une courge. Oh là là. T'es une courge et la variété c'est butternut. Ouais, c'est bon, pardon. C'est moi, je connaissais pas. Pour moi, butternut c'est anglais, ça existait pas en France. Une courge. Ouais, pour moi, je pensais que c'était le truc orange, c'était soit du potimarron, soit du potiron. Petit rond. Non, je sais pas comment on dit. Oh, mais pas courge. Comment on dit aussi? Ils disent le ou la doubeur, comme le beurre. Ouais, mais ça, c'est dans... Parfois appelée la courge cacahuète. La courge cacahuète. En raison de sa forme. La courge cacahuète. Bon, mes amours... C'est une courge butternut. Mon visage, c'est catastrophique, je vous jure. J'ai mis de la crème, là. Genre, j'ai mis la crème cicaplast. Partout, non, partout. Ici, elle est toute blanche, vous voyez, regardez. Le truc, là. Hop. Villeneuve signé. Dégoûtant. Et du coup, j'en ai pas mis sur mes boutons. Mais là, j'ai une tête, vous savez, comme quand on était au collège et qu'on. Enfin, je sais pas vous si c'était le cas, mais quand on est en plein testage, genre on teste à tes souhaits. Genre, vous voyez, quand vous êtes en plein testage. Tout va bien. Au collège, vous faisiez pas des expériences, genre des soins du visage, des soins pour les cheveux, mais genre c'était. Bon, c'est bon. Vous savez, j'aurais dû venir plus tard. Mon mari, c'est pareil quand il éternue. À chaque fois, genre, je le regarde en mode. Parce qu'à chaque fois, il réveille Mani. Et après, lui, il s'énerve encore plus du style. Mais t'es sérieuse, je suis obligée d'éternuer. Si on n'éternue pas, on peut mourir. Non, mais là. Non, mais c'est trop. Non, mais là, ça fait 50 fois qu'elle éternue. Docteur Alain. Docteur Alain, voilà, mon beau-père. Non, mais il dit que c'est vrai que mon mari, il a raison. Et quand on éternue, on se contrôle pas. Et que en gros, bah, on peut pas se retenir d'éternuer, sinon on peut mourir. Ah, vous voyez, je lui ai dit. Mais qui se retient d'éternuer, personne? Ah, bah, ça, c'est sûr que c'est pas maman qui se retient d'éternuer. Hein. Bah, moi, je me retiens pas d'éternuer. C'est pas de ma faute, en fait. Non, mais après, peut-être, t'as eu une mini-allergie. Mais bon, les pommes de terre, là, franchement. J'en veux plus. Entre maman qui éternue 40 fois. Mon daron m'a demandé de lui donner la télécommande, je lui ai répondu, elle est devant toi. Tête. T'as pas compris? Non. Bah, genre, tu parles pas comme ça à ton père, tu prends la télécommande et tu lui donnes. Ah, genre, elle est devant toi, genre. Elle est devant genre, toi. Genre, tu dois être soumis, tu dois être obéi. Ma soeur m'a demandé des blagues. C'est qui, Alex O'Time? Yes. Vous avez compris, en gros, c'est un affront. Voilà, je viens de comprendre. Et sinon, ça, mes petits chats, c'est une robe de chambre. Mais c'est une robe de chambre genre 2.0. Genre, vous voyez, en mode grande dame. Genre, c'est pas genre robe de chambre, genre avec plein de motifs. Mais on dirait, on dirait que c'est un manteau. Genre, c'est ouais, trop beau. Mais ne croyez pas que c'est un manteau, que j'ai pas de chauffage chez moi. Genre, et depuis tout à l'heure, je dis ça. Je parle de. Comment ça s'appelle?
Butternut. Mais non, une robe de chambre. Je parle d'une robe de chambre. Et ma mère, la pauvre, elle est en face de moi et elle se caresse sa robe de chambre. Elle a la même en blanc. La pauvre, je la voyais, elle était là du style, tu sais, comme quand tu veux dire quelque chose en classe, tu veux lever la main. Je parlais, je voyais, elle se remettait sa mais truc là. En mode, elle touchait ça. Mais j'avoue qu'on dirait un manteau. Regarde. Attends. Non mais attends, mince. Non mais maman, si, là, s'ils si te voient avec ta robe de chambre, ils vont vraiment croire qu'on n'a pas le chauffage. On a le chauffage, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas mettre le chauffage à 23 ou à 24. On le met à 19, comme tout le monde. Voilà, et bah, il fait un petit peu frais. Moi, pas putain. Non, 24. Moi, personnellement, j'aime bien dormir quand il fait 22, 24. Moi, je t'es malade ou quoi? Ouais, oui, mais moi, je suis frileuse. Mais c'est 24, c'est trop chaud avec la couverture, la couette. Mes amours, on dirait une vieille. Je vous jure, je ne sais pas si c'est l'ensemble. Bon, bref, j'ai retrouvé ma sœur. Hi girl, ça va? Oui, toi? Ouais, je suis trop contente de l'avoir retrouvée. Ça faisait 3 mois. Franchement, 3 mois qu'on ne s'était pas vus. Elle n'a pas arrêté de pleurer quand elle a vu Mani. c'est trop mignon. Bah oui, j'ai vu ses deux petites dents, le fait qu'il marche bientôt à 4 pattes, qu'il se tienne debout. Il a bien grandi, mon bébé, ma bougnette. Ouais, en plus, mon fils... Genre, il commence à taper des mains, je vous ai dit. Genre, il clappe et clappe. Et genre, elle a pleuré quand il a clappé des mains. Clap your hands. Bon, les filles, souvenez-vous, il y a quelques jours... Bon, faites pas attention à ma tête et tout, là. On dirait franchement, c'est un sketch. Je vous jure, je suis vraiment ravalement... On regarde pas le... Vous savez, quand on fait un ravalement d'immeubles, les fondations et tout, on regarde le résultat, genre l'appart, comment il est et tout. Non, mais c'est ce que... Bah là, non, mais là, c'est pareil. Genre, regardez pas tout ça. Il y a la daronne, elle peut se joindre aussi. Donc, pensez au résultat, pas à comment, quoi, quelles ont été les étapes. Il y a 2-3 jours d'ici, je vous ai présenté la marque Smile Addict, ok? C'est un espèce de sérum violet qui d'ailleurs est en rupture de stock partout. Et en fait, ils ont refait un stock quand je vous ai fait la pub à partir de 19h. J'ai cru que tu étais connue. Et je vous avais dit quoi? Moi, j'ai des composites, j'ai pas des facettes. Mais on avait vu un résultat de ouf. Et je vous ai dit, dès que je veux voir quelqu'un qui a des vraies dents... quelqu'un qui a pas genre des composites ou des facettes, eh ben, on va faire le test en live. T'es prête, ma sœur? Ouais, moi, je suis prête. T'as hâte? J'ai une facette ici, mais... De quel côté t'as la facette? Ici. Alors, on fait l'autre côté. On va tester l'autre côté en live, en direct. Donc, d'abord, tu te brosses les dents. Merci, oui. Non, mais pour expliquer aux gens... Oui, c'est un sérum, il y a écrit. Sérum magique blanchissant violet. Donc, il faut d'abord vous brosser les dents avant que vous utilisiez ce produit. Voilà. Montre. Voilà. Réactive. Mais oh, il faut 3 minutes pour brosser ses dents, mais pas 30 secondes, hein. Qui met 3 minutes pour brosser ses dents? Mais tout le monde, ben pose la question. Tout le monde, non, je crois pas. Non, c'est... Excusez-moi, j'aimerais bien savoir, vous mettez combien de temps pour brosser vos dents? T'es belle. Merci. Au filtre. Bon, normalement, on met 3 minutes. Enfin, les dentistes nous apprennent ça depuis qu'on est petit, 3 minutes. Mmh. Ouais. Enfin, entre ce qu'on nous apprend et ce qu'on fait. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous brossez les dents déjà? Ah, je me jure dans ma tête. Dans ma tête, quand elle a dit oui, on met 3 minutes, c'est sûr et tout. Mais dans ma tête, je me suis dit, il y a des gens, ils se brossent même pas les dents. De quoi tu parles? Qu'est-ce 3 minutes? Déjà, est-ce que tout le monde se brosse les dents tous les jours déjà? Bon. Allez, active!